Bonjour à tous, aujourd'hui petite réception de cartes Magic, alors toujours pareil, de l'ancien. Aujourd'hui il n'y a pas grand chose, c'est des petites cartes communes et peu communes, Arabian Nights. Il n'y a pas normalement de rares, donc voilà. On va regarder ce qu'il y a. Je les ai sortis des top loaders pour gagner du temps parce que je suis encore un petit peu blessé. Alors on a un petit Tamvelan. Parfait. On va regarder ça ensemble. Celle-là, je les avais pas. Alors pourtant, c'est des communes et des peu communes, mais par oubliette, parce que c'est une de mes cartes préférées en termes d'illustration. Bon, ça va, c'est propre. Il y a un petit peu tous les états. C'est relativement propre. Ça, surtout qu'en ce moment, bon, faire des investissements, vu qu'on ne sait pas en termes de prix où est-ce que ça va, c'est compliqué. Donc je me fais plaisir avec comme d'habitude, avec des petites cartes. Ça, c'est propre. Ça, c'est très propre. Et puis c'est ultra jouable. Donc vraiment, elle a des petits pets. Bon. Arabian Nights, c'est mon set préféré, on va dire. Après, bon, ça restera toujours alpha, bêta, les illustrations. Les premières illustrations, mais pour moi c'est le plus fin en termes de dessin de Brian Snoddy par exemple. Les dessins sur Arabian Nights c'est exceptionnel. Ça c'est propre aussi. C'est propre. Alors c'est des cartes qui ne valent pas grand-chose, hein, c'est sûr. C'est pas des Jusam et des choses comme ça. Mais ça fait plaisir quand même. Ça doit être une peu commune, je crois. Parce qu'après, elles sont, je crois qu'il y a commune 1, 2, 3, pareil pour les Anko. Ça, je sais pas honnêtement. Mais il n'y a pas de rare dans le set Arabian Nights. Ça, je l'avais pas. Moi, je l'ai trouvé en bonne condition, je l'ai eu à un bon prix. Parce que je dis bon prix, bah, c'est en dessous de card market. En premier prix, non, c'est bien, c'est joli. Bah pareil, ça c'est super beau, ça, Brian Snoddy. Petit coup de focus. Ça c'est, j'ai toujours aidé. Il y a ça aussi, et puis il y a Jihad aussi en carte qui. J'ai tout acheté le petit lot à la même personne. C'est celui qui m'avait vendu le Junan. Jin. Junan et frites, ouais, c'est super joli aussi, c'est en bon état. De toute façon, j'avais regardé, il m'avait envoyé les photos, il n'y a pas de traces d'encre, super joli. Voilà. Ça, c'est une de mes illustrations préférées, j'en avais déjà. Mais dès que je peux en acheter une, je me la mets de côté, j'aime bien les. J'aime bien les pages pleines. C'est pas un super état. Hein. On a des petits points, mais le petit sigle, voilà. Parfait. L'état est pas exceptionnel, mais c'est pas grave. L'illustration, elle est là. C'est des plaisirs simples, pas chers. Et ça, je l'avais pas non plus. Alors c'est pareil, c'est pas une grosse carte. Elle est pas dans un super état de ce que j'avais vu. Ouais, voilà. Mais ça fait le taf, hein. C'est pas. Il n'y a pas de plis, il n'y a pas d'encre, c'est le principal. Non, c'est sympa. Donc voilà, le petit arrivage. C'était tout petit, quoi. Mais ça fait plaisir. On va mettre ça dans les classeurs. Bonne fin de journée, à bientôt.